Bonjour à tous, c'est Ilias, bienvenue dans le premier tutoriel de cette chaîne dédié à la GoPro. Aujourd'hui nous allons voir comment faire pour mettre à jour notre GoPro Hero 3. Tout d'abord, vous allez devoir insérer votre carte micro SD dans la GoPro. Ensuite, vous allez allumer votre GoPro. Une fois que c'est fait, vous vous rendez dans le menu photo et maintenant, vous prenez une photo. Avant de commencer la mise à jour, il va falloir faire attention à deux choses. Tout d'abord, vérifiez que le Wi-Fi est bien éteint. Donc lorsqu'il est allumé, une lumière bleue clignote et pour l'éteindre, il suffit de rester appuyé quelques secondes sur le bouton situé à gauche de la GoPro. La deuxième chose à vérifier est la batterie. Il faut avoir au minimum 2 barres. Une fois que toutes ces choses sont faites, branchez votre GoPro à votre ordinateur grâce au câble livré avec la caméra. Ensuite, rendez-vous sur le site GoPro dans la partie mise à jour. Pour vous faciliter la tâche, je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. Dans la partie sélectionnez le produit, vous allez choisir mise à jour Hero 3. Vous allez mettre votre caméra à jour manuellement. Là, toutes les étapes que vous voyez, nous les avons déjà faites en début de cette vidéo. Il vous suffit donc de cliquer sur « Continuer ». Ensuite, notez votre prénom, votre nom, votre adresse email et votre pays, puis cliquez sur « OK ». Maintenant, il va falloir écrire votre numéro de série. Pour ça, enlevez la porte arrière de votre GoPro, puis retirez votre batterie. Une fois que le numéro de série est relevé, cliquez sur « Continuer ». Là, il va falloir donner un nom à votre réseau Wi-Fi et choisir un mot de passe. Attention, c'est très important pour pouvoir utiliser l'application GoPro ou la télécommande qui est fournie avec la Black Edition. Cliquez ensuite sur Sunbit. Maintenant, cliquez sur Télécharger la mise à jour. Un dossier s'appelant Update va apparaître. Il vous faudra le décompresser à l'aide d'un logiciel, par exemple WinRAR. Vous aurez 4 fichiers que vous allez placer dans la carte mémoire de votre GoPro. Retournez sur le site et cliquez sur Continuer. Maintenant, déconnectez votre GoPro, rallumez-la et vous verrez que la mise à jour s'est lancée automatiquement. Elle dure environ 5 minutes. Si vous avez réussi, cliquez sur le bouton à gauche, sinon suivez les instructions de droite. Voilà, votre GoPro Hero 3 est maintenant à jour. Donc si vous avez aimé ce tuto, vous n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour pouvoir voir les prochains tutos. Vous pouvez aussi visiter notre site internet qui regroupera toutes les vidéos. Donc le lien est dans la description de la vidéo. Et sur ce, maintenant que je vous ai tout dit, je vous souhaite une très bonne journée et je vous propose de se retrouver pour une prochaine vidéo. Allez, salut!